Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce midi webinaire de Spiritour. Je me présente, mon nom est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. On est un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement avec comme mission de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer. Alors, aujourd'hui, on vous présente l'Italie du Sud avec Sœur Angèle, le thème douceur et joie de vivre avec aussi Rosette Pipard, autrice, et Sœur Angèle qui sont avec nous. Et on a aussi Monsieur Jean Rivet du réseau Vox Populi. Alors, je vous les présente dans quelques instants. C'est un voyage qu'on est très, très heureux de vous présenter. C'est une nouveauté. Vous savez que l'an dernier, on a fait un beau voyage en Italie du Nord avec Sœur Angèle et Rosette Pipard. Et aussi avec Jean Rivet en collaboration là, avec Réseau Vox Populi. Et ça a été extraordinaire. Les gens ont adoré leur expérience. Et ils voulaient repartir avec Sœur Angèle qui a suggéré d'aller visiter l'Italie du Sud cette fois. Alors, voilà, on est très, très fiers de vous présenter ce voyage aujourd'hui. On est en mode webinaire. On va vous présenter les accompagnateurs. On va vous présenter l'itinéraire en détail avec des belles images. Et à la fin, il y aura une période de questions où vous pourrez utiliser soit le chat ou le QR pour questions-réponses pour nous poser vos questions. À la période de questions, ça va être possible aussi lever la main virtuellement, donc à la fin de la présentation, pour qu'on vous donne l'autorisation d'ouvrir votre micro pour interagir directement avec les animateurs. Donc, ça nous fera plaisir si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions directement live, il n'y a pas de problème. Je vous avise que cette présentation est enregistrée. Elle sera envoyée à tous ceux qui étaient inscrits au midi webinaire dans les 24 heures et elle sera aussi sur les médias sociaux et sur la page web du voyage. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter donc nos animateurs. On a bien sûr Sœur Angèle. Tout le monde la connaît bien au Québec. Elle est née en Italie. Sœur Angèle a connu les heures de la guerre. À 17 ans, elle a immigré au Québec, puis elle est entrée dans la communauté religieuse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Elle enseigne la cuisine à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Durant 16 ans, elle a créé un laboratoire de recherche culinaire et devient animatrice à la télé de Radio-Canada durant près de 50 ans. Elle a reçu de nombreux prix honorifiques, dont le Grand Prix Max Rupp comme chef cuisinière, l'Ordre du Canada et l'Ordre national du Québec. Elle a publié de nombreux livres et a créé la Fondation Sœur Angèle au profit des jeunes défavorisés. Alors, Sœur Angèle, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Oui. Ça fait plaisir, hein? On est très, très heureux de vous avoir avec nous. C'est vraiment un honneur que vous accompagniez encore ce beau voyage cette année. Mais oui, avec l'honneur, maintenant, je voulais faire découvrir le sud de l'Italie. Voilà. Merveilleux. On en reparle plus tard. Alors, je vous présente notre autre animatrice, donc Rosette Pipard, d'origine belge. Elle a migré au Québec en 1980. Rosette Pipard a œuvré au Québec et en Europe comme agente d'artiste, organisatrice d'événements, consultante en communication pour des organismes gouvernementaux, des entreprises qui remportent de nombreux prix d'excellence, dont le Grand Prix de la culture pour la Fondation des arts des Laurentides qu'elle gère durant 12 ans. Elle a publié 18 livres à saveur humaniste et spirituelle, dont 3 livres sur Sœur Angèle, et elle a co-animé une série de conférences sur le bonheur d'être soi selon Sœur Angèle. Elle a produit un documentaire sur Sœur Angèle en Italie et 3 séries télévisées. Bonjour Rosette. Je ne sais pas si Sœur Angèle voulait dire un petit mot avant moi, là. C'est Oh, comme... allez-y, allez-y, Rosette, allez-y, là. Ok, Vous êtes d'accord. partie, d'ailleurs, moi, je peux me prendre toujours. Ok. Juste un tout petit mot pour dire que moi, en fait, c'était ma première expérience dans un voyage de groupe l'an dernier, enfin, cette année, en fait, puisqu'on est allé en septembre dans le nord de l'Italie. Donc, c'était vraiment une très, très belle découverte parce que d'habitude, je voyage toujours très seule. Et je me rends compte qu'au fil des années, c'est compliqué de réserver tous les attraits touristiques, les rendez-vous. Ça enlève un petit peu du plaisir de savourer les choses parce qu'on sait que le lendemain, il va falloir encore s'organiser. Donc, ça, on évite ça tout à fait
dans un voyage organisé comme celui de Spirito, ça ne gâche pas le plaisir, justement. Chaque journée, ce sont des découvertes. Donc, moi, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. En fait, c'est parce que Sœur Angèle est avec nous. Et quand on a fait l'Italie du Nord, on a demandé quel était le coup de cœur de tous les participants. Et tout le monde a dit ben, c'était le fait de pouvoir vivre aux côtés de Sœur Angèle du matin jusqu'au soir, parce qu'elle ne disparaît pas. Elle est toujours là avec sa bonne humeur, sa joie de vivre. En plus, même si on a un guide sur place, elle connaît plein d'anecdotes. Plein de recettes culinaires, elle connaît tous les fruits, les légumes, enfin bon, c'est vraiment comme une petite encyclopédie en plus de la richesse des éducations des guides, donc ça c'est vraiment très savoureux. L'ambiance est toujours très conviviale. Moi, ce que j'ai aimé dans le voyage aussi, c'était que ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs, là, tu sais, qui sont animés par un désir de ressourcement, de l'amitié, de la bienveillance, donc c'est vraiment très très agréable et moi personnellement, j'ai de nouveaux amis depuis que j'ai fait ce voyage, avec qui je correspond toujours. Donc, c'est vraiment une façon, je dirais, dans notre monde chaotique où des fois on a envie de sortir de notre quotidien, de se ressourcer en toute tranquillité et en toute sécurité, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner. Donc, c'est vraiment, moi, je n'ai gardé que de meilleurs souvenirs, de ce voyage. Et c'est pour ça, quand j'ai vu les paysages du sud de l'Italie et que Sœur Angèle, avait le goût d'aller dans le sud de l'Italie. Moi, je me suis dit, je peux pas rater ça parce que c'est la meilleure personne qui va pouvoir nous accompagner. Donc, en plus, elle parle italien. Des fois, il y a des moments vraiment anecdotiques, savoureux, parce qu'elle parle à tout le monde. On a même rencontré des gens qui la reconnaissaient. C'était des Québécois qui étaient en vacances. C'est ça. Donc, pour moi, voilà. Je trouve que c'est la bonne humeur, la joie de vivre. Et c'est vraiment très, très agréable. Moi, je me sens privilégiée. Voilà. C'est Angèle. Oui, ah ben, puis c'est sûr et certain que quand on retourne à ses racines, c'est extraordinaire. Puis je suis très heureuse, puis ça m'a fait plaisir de retourner dans mon coin, dans les gens étaient très surpris. Et d'ailleurs, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que les gens qui étaient avec moi, ça fait des années que je connaissais ici au Québec, mais ils pensaient jamais que où j'étais née, c'était si riche de culture. C'était riche de toute créativité des artistes parce qu'ils pensaient que c'était une petite église chez moi. Mais non, c'est un temple. Ça ressemble un peu le grand de Rome. C'est vraiment un style très, très, très. Les gens, ça a été vraiment un coup de cœur. Disons que quand je vois, et ça me fait tellement plaisir de leur expliquer, parce que souvent, on voit des choses, comment qu'ils font faire des sculptures, des affaires, mais là, on va aux racines. On va aller vraiment, qu'est-ce que c'est que les gens, c'est ça que je leur ai montré. Et puis, leur montrer l'Italie, l'Italie, ça porte son nom, l'Italie. C'est la joie de vivre, c'est l'alimentation saine, c'est l'alimentation méditerranéenne, que c'est simple, mais c'est goûteux. Alors, c'est tout ça. Et puis, moi, j'étais contente même d'expliquer ça, même, je voyais même Rosette à grands yeux qui regardait, qui disait, ah, c'est ça, ben oui, ben voilà. Et j'avais une jeune même, des 14 ans, avec le voyage. Je parle de ça parce que ça m'a, elle ne m'a pas quitté une minute pour découvrir tout ce qu'elle voyait. J'expliquais telle plante, tel fruit, telle affaire. Et l'intérêt de cette jeune, j'ai dit, mon Dieu, cette valeur qu'il n'y a pas plus de jeunes qui peuvent découvrir ça. Mais évidemment, les choses. Et là, j'ai dit, OK. Je vois que tout le monde, ça fait une grande famille. D'abord, ça fait une famille. Moi, d'abord, chaque voyage que j'ai fait, c'est pas le premier. Ça fait à peu près 45 ans que j'ai fait ça. Et puis, j'en ai accompagné beaucoup de monde un peu partout dans le monde. Et puis, c'est la découverte. Découvrir cette grande bibliothèque à ciel ouvert. Et puis, c'est, elle dit, j'ai appris plus pendant le voyage que pendant tous mes cours à l'université. Mon Dieu, mais c'est vrai parce que les yeux
Les lentilles regardent et ça reste à nous. Regardez quand on va faire le sud, que tout le monde parle de la côte amalfitaine, on parle des Roms, on parle de Sorrento, mais vous parlez par exemple de Pompéi. Mais l'évolution qu'il y a eu dans ça, moi j'ai vu le commencement de Pompéi, parlant de Pompéi, et aujourd'hui tous les travaux, comment les gens sont intéressés en Italie de faire découvrir leur histoire, leurs ressources, leurs valeurs, leur alimentation et la fierté. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils sont heureux de nous recevoir. Il y a toujours un grand sourire. Bon, puis quand ça va pas, même à Venise, ils chantaient, envoyez donc. Et puis, c'était la fête. Et quand les gens regardaient ça, j'ai dit, mais comment vous pouvez être comme ça? Ben oui, c'est ça l'Italie. L'Italie, c'est m'a écouté, c'est pas compliqué, m'a parlé dans la Vénétie, moi je suis née dans ça. Mais maintenant, on va découvrir le sud, l'Étrurie. Je parle d'Étrurie. Puis il y a beaucoup de monde qui est allé en Italie. Puis je parle d'Étrurie, je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai dit, c'est ça. Faire découvrir des choses qu'ils n'ont pas, même s'ils sont allés à Rome, ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas vues. Parce que je connais tous les petits coins, tous les ratacoins. Je me suis assez promenée partout et faire découvrir la beauté de cette Italie qui, justement, en peu de temps, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses. Parce que là, on fait tout le sud. Et ça, c'est, vous allez voir, ceux qui ont vu le nord, le sud, c'est, ça complète. C'est un complet de ça. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je suis très heureuse. J'espère que, oh, je sais qu'il y en a déjà qui ont réservé pour le voyage, évidemment. Il y a lieu du 2 juin jusqu'au 13 juin. Et on fait tout ça. Et puis, ensemble, on découvre l'avantage, ce sud d'Italie. Merci, Sarah Angèle. Merveilleux. Merci Alors, aussi. d'ailleurs, vous avez préparé un beau vidéo avec Rosette. Alors, on va regarder ça ensemble. Parfait. Il est de ces personnes que l'on rencontre et qui vous donnent plein d'énergie. Moi, ça fait plus de 25 ans que je connais Sœur Angèle et je suis toujours ébahie de la voir aussi lumineuse et joyeuse. Et chaque fois que je repars d'une rencontre avec elle, là, je me sens énergisée. Et aujourd'hui, c'est une invitation un peu spéciale, un voyage en Italie accompagné de Sœur Angèle. Et donc, je suis avec elle aujourd'hui. Et Sœur Angèle, vous avez l'habitude d'accompagner des groupes de voyageurs dans de nombreux pays. C'est quoi la particularité d'un voyage quand vous êtes là? Faire découvrir des choses que d'autres ne découvrent pas. Moi, j'aime ça aller voir des petites choses à côté. Souvent, dans les voyages organisés, on va visiter toujours un peu les mêmes choses. Mais même, moi, j'aime passer en arrière des fois. Qu'est-ce qui se passe? La richesse intérieure, parler avec les gens et vraiment découvrir, organiser un voyage typique. Et le voyage que vous allez faire, c'est vraiment un voyage unique. Parce que, en plus, vous êtes avec une personne qui parle la langue. Vous savez, quand on parle italien, c'est une autre histoire. Là, l'ouverture se fait. Et les gens sont tellement contents de nous montrer qu'est-ce que c'est la vraie Italie. Et puis, ils veulent me montrer, même à moi-même, italienne. Hey, écoute, est-ce que vous vous rappelez de telle chose, de telle chose? Non, mais il y a toujours des choses qui ont été rajoutées avec ça. Et quand vous regardez, c'est un voyage que vous allez avoir même du temps à vous. Vous allez avoir des spéciaux. Vous allez voir Rome, c'est sûr, mais Rome, vous pouvez l'avoir à mille façons. Moi, j'en ai fait bien des fois. Mais on va regarder pour vraiment qu'est-ce que c'est. Mais je pense que si je ne me trompe pas, on va même avoir un cours de cuisine romaine. Hey, ça c'est n'importe quoi, là, parce que ce n'est pas n'importe qui fait des cours de cuisine. Alors, là, on se trouve qu'avec la culture, l'histoire de l'Italie et la gastronomie, tous les cœurs sont acquis et conquis. Je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me fait chaud au cœur et c'est un honneur pour moi de vous faire connaître cette belle Italie. Alors, je finis même moi-même toujours en découvrir quelque chose. Alors, je pense qu'avec ce temps, hein, on a quand même 12 jours Oui, en complets. fait, donc c'est l'Italie du Sud que l'on propose, un itinéraire qui a été préparé exclusivement pour notre groupe. Vous ne le trouverez pas ailleurs.
Et donc, on atterrit à Rome le 2 juin, on atterrit à Rome le 3 juin. Et ce qui fait la particularité aussi de ce voyage, d'abord, c'est le sud de l'Italie et des petits villages vraiment extraordinaires. Mais moi, ce que je voulais dire, parce que j'ai eu l'occasion de faire un voyage avec Sœur Angèle, et que les personnes qui voyagent seules, en général, ben, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on découvre de nouveaux amis, des personnes qui ont un petit peu la même façon de vivre que nous. Et ça crée des nouvelles amitiés. C'est vraiment formidable. En tout cas, moi, je n'avais jamais fait de voyage de groupe. Et je me suis retrouvée vraiment comme dans une petite famille. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Tous les matins, on se rencontrait. Sœur Angèle est là du matin au soir. Mm-hmm. Elle ne s'esquive pas comme certains accompagnateurs, des fois, d'autres voyages. Non. Et on a l'occasion de parler avec elle, même de façon privée. Donc, c'est vraiment... c'est beaucoup plus qu'un voyage, finalement. Alors, Sœur Angèle, vous connaissez bien le sud de l'Italie. Moi, je ne connais pas. Je sais qu'on va aller vers la côte amalfitaine. C'est particulier. C'est très particulier. La côte amalfitaine, vous avez beaucoup. Même souvent, les gens, ils disent, mais est-ce que... J'ai posé des questions à plusieurs qui ont fait des voyages. Coudon, est-ce que vous savez l'histoire de la pizza napolitaine, la pizza des margheritas? Ah, non? Mais je vais vous faire visiter un musée à Naples. Et vous, sûrement, quand on va rentrer dans le musée, comptez sur moi. Moi, là, les portes, là, ils sont pas beaucoup barrées pour moi, parce que quand j'arrive, j'y parle en italien, et là, ils me disent, ah oui, ben, c'est italien, hein? Ben, c'est court. La langue du cœur ne meurt jamais. Alors, je veux vous le faire connaître davantage. Ensuite de ça, on va aller, c'est comme je vous dis, à Rome. On va aussi, j'espère bien, voir l'Étrulie. L'Étrulie, c'est quelque chose unique au monde. Mais quand on sera sous les lieux, je vous raconte l'histoire que ces Italiens, là, font. Vous savez, là, l'Étrulie, là, c'est une toupie, là, quand elle roule. Mais les autres, quand elle est trop haute, la toupie, là, il faut qu'ils payent les taxes. Alors, quand c'est le temps de payer, il la diminue. Et après, quand les taxes sont finies, pouf, il la remonte. C'est bien l'Italien. Ha! Il faut dire que les Trulli, enfin, c'est des petits villages dans le sud de l'Italie. Oui. Ils sont toutes des toutes petites maisons recouvertes de chaux. C'est absolument typique. Hein. Typique, mais même au-dedans. Et vous allez vous expliquer pourquoi ils sont faits comme ça, parce que c'est chaud. Et les autres, c'est quoi l'aérification? Mais quand vous parlez de dents, c'est comme si vous avez des micros. Vous savez, il faut connaître l'histoire, parler avec les gens, et quand tu parles la langue, les autres, ça leur fait plaisir de vous donner tous les détails, et ça me fait plaisir de vous les traduire en français et vous les dire exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que vous savez, même des gens disent, mais moi j'ai déjà été à Rome. Ah oui, mais attention, Rome, elle est faite à mille façons, la nouvelle, la vieille, l'ancienne, et puis là, l'histoire. Leonardo da Vinci, Michel-Ange, qu'est-ce qu'il a fait? Ah! Et c'est ça, découvrir les catacombes. Et il y a des catacombes à Rome, des Saint-Calix. Il m'appelle la petite sœur des catacombes. Mais ben pourtant, j'espère que je suis plus vivante que les catacombes. Mais c'est vraiment... Non, mais les Italiens, ils sont, comme on dit, ils aiment la vie. La dolce vita. Alors, on va participer avec eux. Et on va se dire, voilà, on va... Justement, la Dolce Vita, Sœur Angèle, on va aussi avoir un repas dans une vieille ferme italienne. Ah, ça vaut le coup, ça. Oui. Hey, c'est dehors, puis c'est la grand-maman là, qui est dehors, là, a fait sa cuisine. Hey, si vous voyez ça, là. Puis là, ils portent tout ce qu'ils ont. Même la boisson. Hey, là, il faut faire prudent. Heureusement, on n'a pas d'auto. Le chauffeur, il reste tranquille. Et puis, vous autres, ben, vous allez déguster tout. Une fois, là, je suis allée, juste à peut-être, je ne sais pas si c'est la même ferme, mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Il y avait un figuier chargé de figues. Je n'ai jamais été dîner. J'ai été dans le figuier et j'ai mangé des figues. Hey, imaginez-vous donc, magnifique. Alors, vous savez, il y a des choses comme ça. Et puis, je pense que le mois aussi qu'on va, c'est au mois de juin, au commencement, là, on parle de 2 juin, c'est le bon moment, pas trop chaud, mais où tout est fleuri. Vous allez voir les fleurs d'acacia tout au long de la route.
C'est magnifique, cette fleur blanche et tous ces grappes. Et je vais vous dire que ma mère, avec ces fleurs-là, elle faisait des fritelles pendant le temps de la guerre. On peut se raconter des histoires. Et j'en ai quelques-uns à vous raconter. Ça va être vraiment formidable. On a aussi une dégustation de limoncello avec tous les citrons de la région. Ah, ben oui, ça, ça c'est à Sorrento, évidemment, oui. Sorrento. Voir Sorrento, hey. C'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, là, la musique italienne, la danse, les costumes, le chant. La cuisine italienne est simple, mais elle a du goût. Pourquoi? Par le soleil et la chaleur des gens. Ça nous fait... C'est vraiment... Vous savez que là, à Sorrento, c'est pour ne pas perdre de terrain. En bas, ils plantent les tomates. En deuxième, ils ont des peperoncino. Et puis en troisième, c'est les vignes. Et plus haut, c'est les figues, c'est les châtaignes. En tout cas, c'est à trois étages. C'est ce que vous ne voyez pas ailleurs. Mais ça, il faut avoir du monde qui connaît les choses et qu'on vous les explique. Et ça, c'est la découverte. Oui, ça va être vraiment formidable. Une occasion de se dépayser complètement. Absolument. De sortir un petit peu de notre routine. De voir d'autres paysages, de déguster les produits du terroir italien dans la simplicité, des très bons hôtels. On ne fait pas nos valises tous les jours. Ah, ça, c'est intéressant. Plusieurs nuitées dans les mêmes hôtels. Bon, alors vous ne changez pas. Combien de fois dans le voyage? Je pense que trois hôtels en tout. Trois hôtels en tout. Hey, ça, c'est exceptionnel, là. Oui. Parce que ça veut dire que vous pouvez aller. Moi, c'est parce que j'ai une technique à faire la valise. Je prends la valise, je roule, et puis là, à gauche, ça c'est aujourd'hui, à droite, ça c'est demain. Après ça, ça descend en bas, et puis tout est là. Et puis, je ne fais pas ma valise jamais, pas d'ouvrage. Il faut, vous êtes en vacances, mais vous profitez de tout, et vous avez le tout. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer. Il y en a qui ont déjà fait des voyages, j'en connais qui a fait même 11 voyages en même temps. Et puis, il s'est dit, bon ben, c'est incroyable. Mais c'est ça, la plus grande richesse au monde. C'est la bibliothèque à ciel ouvert que c'est le monde. Alors, pour tous les détails, évidemment, on vous invite à aller voir le site de spiritour.com. Et vous avez même un formulaire d'inscription en ligne si vous voulez vous inscrire directement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez parler à Audrey Marébé, qui est la coordonnatrice du voyage. Donc, voilà, on est là pour vous, puis on espère vous voir très nombreux. Merci, Sarah. Alors, à tout à l'heure! Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va vous présenter l'itinéraire jour par jour. On a déjà fait un beau survol avec Sarah Angèle et avec Rosette. Et donc, on va vous présenter vraiment jour par jour et vous indiquer là, qu'est-ce qui est inclus dans le forfait. Alors, on a voulu vraiment offrir un rythme un peu plus lent, hein, vraiment dans la dolce vita, la douceur, garder du temps libre. C'est pour ça qu'on a mis des activités en option. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste décider de relaxer, d'aller flâner dans les alentours à votre guise ou de faire l'activité optionnelle. Plusieurs activités sont quand même incluses. Alors, on va tout regarder ça en détail ensemble. Vous avez l'itinéraire détaillé qui est sur le site Internet. Vous pouvez même imprimer le PDF, le programme en PDF. Mais là, on va le voir en image. Donc, le jour 1, ben, on part bien sûr de Montréal. C'est un vol transatlantique de nuit. Donc, on va partir en fin de journée. C'est avec Transat. Et on arrive donc à Rome. Et cette même journée-là, le jour 2, donc vous allez avoir un transfert vers Sorrento. C'est à peu près à la distance, à peu près un 250-300 km, là, distance Montréal-Québec, fait que ça se fait très, très bien. Et puis, donc, vous allez vous installer à l'hôtel. En fait, c'est dans la région, dans la côte sorrentine. On n'est pas à Sorrento même, on est un petit peu à l'extérieur là, de la ville de Sorrento, dans un hôtel vraiment magnifique. Vous allez être transféré en autocar de luxe privé. Et vous allez voir des paysages pittoresques, grandioses là, sur la route vers la côte sorrentine. Donc, vous allez découvrir
l'hôtel. Vous avez les liens dans la page web pour voir tous les hôtels. C'est un hôtel 4 étoiles où vous allez passer là, quelques nuits. Au total, là, vous avez 4 hôtels. On disait 3 dans la vidéo, mais en réalité, c'est 4. C'est un hôtel près de Sorrento, un hôtel dans les Pouilles, quand on va visiter là, Basilicata, à Matera, la ville de Matera, dans la région de Basilicata, dans les Pouilles. Et puis ensuite, vous allez... Ah, pardon, non, dans la région de Basilicata. Ensuite, vous avez un hôtel aux Pouilles et finalement à Rome. Et donc, vous allez pouvoir là, découvrir un havre méditerranéen magnifique avec une vue imprenable sur les eaux émeraudes. Depuis l'hôtel, là, vous voyez le golfe de Naples. Pas un golfe là, pour jouer au golf, là, mais la mer, là, finalement. Après ça, vous allez pouvoir profiter aussi. Hein, il y a vraiment un parc botanique à l'extérieur de l'hôtel avec une piscine extérieure, puis une terrasse magnifique qui donne sur la baie là, de Naples. Vous allez pouvoir vraiment bien profiter des installations, vous reposer du voyage. Vous allez souper à l'hôtel et bien vous reposer pour une belle journée. Le lendemain, donc, on offre une excursion optionnelle à Capri. Alors, pour tout ce qui est de la liste des prix des excursions optionnelles, ça va être envoyé prochainement à tous ceux qui sont inscrits, puis on va la mettre disponible aussi sur la page web du voyage. Alors, on est en train là, de ficeler les excursions optionnelles, mais c'est ça, c'est libre à vous. Vous pouvez juste prendre le traversier, le transport jusqu'au traversier de Paris, de Capri, pardon. Le Capri est inclus. Et puis le traversier, l'information qu'on a eue de notre partenaire local en Italie, le coût du traversier était 45 euros l'an passé. Le prix risque d'être augmenté en avril 2024. Fait que pour septembre, ils s'attendent à peu près autour de 50 euros, ce qui veut dire à peu près 75 à 80 dollars canadiens. Mais on veut vous offrir une excursion avec un guide pour visiter Capri, Anna Capri, puis la Villa San Michele. On va vous confirmer bientôt là, le programme exact. Visite de Capri, vous allez dîner sur place, vous allez revenir, c'est comme une demi-journée d'excursion. Et après ça, en fin de journée, c'est libre comme vous voulez. Ou, si vous voulez, vous pouvez aussi profiter puis aller vous promener à Sorrento, qui est vraiment magnifique. Donc, juste prendre votre journée à votre rythme. Et puis, il y a possibilité de visiter le cloître San Francesco, qui se trouve à Sorrento, et c'est gratuit pour faire cette visite-là. Et en fin de journée, donc tous ensemble, l'autocar va nous amener pour une dégustation de limoncello voyons, excusez-moi, une plantation, c'est ça, une plantation des citrons. Alors, ça va être vraiment quelque chose de vraiment spécial. Alors, c'est ça, ça va bien terminer. Ah, c'est ça, je cherchais le limonetto. La plantation, ça s'appelle un limonetto. Alors, c'est prévu entre 15 h et 17 h, donc une expérience rafraîchissante au Limonetto, en découvrant aussi la fabrication, hein, comment ils font le fameux limoncello, hein, qui est une liqueur alcoolisée. Vous allez pouvoir déguster là, ces saveurs ensoleillées. Voilà, donc ça clôture cette journée-là. On retourne à l'hôtel pour un souper. Et le lendemain, là, vous avez une excursion à Naples. Alors, le transport jusqu'à Naples est inclus, c'est gratuit. Donc, vous pouvez visiter Naples par vous-même ou faire la visite guidée qu'on va offrir. Donc, ce qu'on pensait offrir, c'était entre autres, il y a des catacombes aussi, il y a la Naples souterraine. On peut visiter le vieux Naples aussi. Donc, possibilité d'avoir une visite guidée. Et il y a le fameux musée de la pizza. Mais depuis la pandémie, pour l'instant, c'est encore fermé. Alors, on se croise les doigts, on espère qu'il va être ouvert d'ici le mois de septembre. C'est ça. Donc, ça, c'est en option pour la visite du musée. Et bon, y avait-tu un commentaire?
Mais c'est pas au mois de septembre, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Non, c'est au mois de juin. Ah, je m'excuse. Oui, oui, d'ici le mois de juin. Je me trompe. OK. Non, mais. Avec les dates de. Pas confondre les choses. Oui. OK. C'est oui, bon. Donc d'ici le mois de juin, on espère. On va prier pour que le musée de la pizza soit ouvert. Puis sinon, on ira déguster une bonne pizza napolitaine. Voilà, voilà. OK. Alors, donc la visite à Naples, comme je vous disais, et puis donc l'excursion d'une journée avec le musée de la pizza. Et puis, tout ce qu'il y a de beau à voir là, à Naples. Voilà, voilà. Ou ça peut être, bien sûr, l'option 2, vous pouvez rester là à Sorrent. Mais comme je vous disais, le transport à Naples, il est inclus. Donc, ça vaut la peine là, d'en profiter puis d'aller visiter la ville de Naples. Voilà, voilà. Le jour 5. Donc, on visite la côte amalfitaine. Donc, après le petit déjeuner, vous allez partir en autocar pour découvrir la pittoresque route côtière le long de la côte amalfitaine qui dévoile l'un des paysages les plus époustouflants d'Europe. Vous allez commencer votre journée en explorant Positano Alta. Qu'on voit ici, une élégante station balnéaire. Puis ensuite, vous poursuivez votre périple vers Amalfi, célèbre pour ses falaises rocheuses pittoresques. Puis en chemin, vous allez pouvoir profiter des vues, bien sûr, des vues panoramiques depuis Praiano a Mare, les grottes dello Smeraldo et Concha dei Marini. Pardon pour mon accent. Une fois à Amalfi, donc vous pourrez vous offrir du temps libre pour découvrir, pour faire des belles découvertes avant de prendre un bateau pour Maiori où l'autocar va attendre le groupe. Donc de l'autre côté, là, vous traversez comme un détroit. On ne le voit pas malheureusement dans la photo, là, mais ça fait un petit tour de bateau pour traverser comme comme un bras de mer, là, si on veut. Voilà, voilà, en route vers Ravello, une destination qui attire les célébrités du monde entier depuis des siècles. Ensuite, vous retournez à l'hôtel pour le souper et la nuit, toujours sur la côte sorrentine. Le jour 6, alors, c'est là où vous partez vers Basilicata. Alors, vous allez commencer votre journée par un voyage pittoresque en direction de Matera, qui est située dans la région de Basilicata. Vous allez admirer le paysage italien qui défile par la fenêtre pendant que nous nous dirigeons vers cette ville unique et fascinante. En route, vous découvrirez la gastronomie locale avec un dîner à base de produits authentiques dans une masseria, une ferme fortifiée typique du sud de l'Italie. C'est ce que Rosette et Sœur Angèle présentaient là, tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir profiter de l'atmosphère chaleureuse de cet endroit emblématique tout en dégustant des saveurs locales et des plats traditionnels. Ensuite, vous ferez l'exploration de Matera, où vous plongerez dans son histoire millénaire avec une visite guidée de la vieille ville, le Sassi. Ses habitations troglodytes creusées dans la roche calcaire sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993, offrant un voyage dans le temps. Alors, vous allez pouvoir explorer aussi les petites ruelles sinueuses, les églises rupestres et l'ambiance médiévale, tout en retrouvant les lieux de tournage hein, des films célèbres, entre autres La Passion du Christ et Ben-Hur. Voilà, vous allez donc avoir un souper et la nuit à Matera. Le lendemain, donc jour 7, vous partez vers la région des Pouilles. Vous allez d'abord passer par
Ah, on l'a, oh oui, on l'a rajouté à la demande de Sœur Angèle. C'est pas dans le PowerPoint, mais vous avez les photos dans le vidéo qu'on vient de voir des Trouillis, là, les petites maisons là coniques, et vous avez des photos aussi dans le programme PDF qui est sur la page web là. C'est ces petites maisons là de chaume. Alors, ça va être un petit détour qui vaut vraiment la peine sur notre chemin vers San Giovanni Rotondo. Alors, on va même avoir le dîner, le repas du midi dans ce magnifique petit village typique du sud de l'Italie. Et ensuite, on continue vers le sanctuaire Santa Maria delle Grazie, qui est le sanctuaire de Padre Pio, hein, qui a été canonisé, hein, c'est un saint, Saint Padre Pio, et qui a reçu des stigmates du Christ. Donc, c'est un sanctuaire très célèbre et donc vous allez faire un arrêt en route. Et vous allez finalement arriver à Rodi Garganico sur le bord de la mer Adriatique, un petit village à la fois moderne avec un petit centre historique. Et vous allez être dans un hôtel, en fait, un petit peu en retrait du village à 1,5 km, qui sont les résidences Tramonto. Qui ont un accès à la plage, ils sont juste à côté, et tous les lieux communs, puis plusieurs des chambres ont vue sur la mer. Il y a une magnifique terrasse aussi, la salle à manger donne sur la mer, et c'est vraiment magnifique. Donc, c'est une station balnéaire, et donc vous allez pouvoir vous reposer et profiter de la plage. Donc, Rodi Garganico, un port moderne avec un centre historique qui vaut vraiment la peine d'être visité. Alors, il y aura du temps libre pour en profiter. Bon, bien sûr, la jour 7, donc on va s'installer, vous allez pouvoir relaxer, vous aurez le souper à l'hôtel. Et là, le lendemain, donc vous êtes libre de choisir entre une journée à votre rythme en visitant le village typique de Rodi Garganico puis en profitant de la plage. Ou vous pouvez aussi opter pour une aventure optionnelle en bateau qui va vous permettre de découvrir les grottes marines et les côtes fabuleuses. Donc, c'est une activité optionnelle. On va vous reconfirmer le tarif. Tout à fait raisonnable. Et donc, vous allez embarquer pour une expérience unique qui révèle les beautés naturelles extraordinaires façonnées par l'érosion de l'eau. Pour ceux qui choisissent cette excursion, donc, préparez-vous à une escapade maritime inoubliable. Faites une pause revigorante dans la baie du Lion pour une baignade rafraîchissante, puis explorez la plage de Vieste avec une visite de la ville avec son centre historique. Imprégnez-vous de l'atmosphère méditerranéenne unique de cette région des Pouilles. Voilà. Donc, il y a une causerie à l'hôtel qui est prévue en fin de journée. Et d'ailleurs, vous allez avoir trois causeries au total. Je pense que les trois sont bien précisées déjà dans l'itinéraire. Donc, vous en aurez à trois moments du voyage, au début, au milieu du voyage, et puis vers la fin du voyage, avec Rosette et Sœur Angèle. Donc, la causerie va avoir lieu à l'hôtel en fin de journée. Ensuite, le souper et la nuit à Rodi Garganico. Voilà, donc ça, c'est quelques photos un peu des formations rocheuses, les grottes marines. On n'a pas beaucoup de photos, là, mais c'est vraiment splendide. La baie du Lion aussi, c'est vraiment une formation qui est très célèbre. Photo de carte postale qui le montre. Le jour 9, donc, vous partez vers Pompéi. Pompéi, donc, la visite est incluse. Vous allez visiter ce site archéologique, un des plus captivants au monde, une ancienne cité romaine figée dans le temps par l'éruption volcanique du Vésuve en 79, en l'an 79 après Jésus-Christ. Donc, ça va être une visite guidée. Vous allez parcourir les rues pavées, visiter les maisons bien préservées, les amphithéâtres et les temples qui racontent l'histoire fascinante de la vie quotidienne à l'époque romaine. Les fresques et les artefacts dévoilent les détails de cette cité antique. Ça vaut vraiment la peine. J'ai adoré cette visite-là. Donc, après cette plongée dans l'histoire de Pompéi, vous allez reprendre la route en direction de Rome.
Donc, laissez-vous immerger dans les paysages italiens pendant le trajet. À votre arrivée à Rome, vous allez vous installer confortablement à l'hôtel pour vous préparer à explorer la capitale italienne dans les jours à venir. Voilà, vous pourrez profiter d'une belle soirée reposante dans la ville éternelle. Et ensuite, le lendemain, donc, on a prévu un tour de ville guidée de la Rome baroque. Ici, on voit plutôt la Rome antique. La visite guidée qu'on a prévue, c'est pour voir la Rome baroque avec ses piazzas. Alors, il y en a plusieurs. Vous allez voir tous les grands monuments de la ville, tels que, en fait, c'est ça. Vous allez quand même voir le Colisée, mais sans admission. Avec le Forum romain, c'est parce qu'il faut vraiment, faut être quand même en forme parce qu'il y a beaucoup d'escaliers. Fait qu'on l'a mis en, on, ça pourra être optionnel dans les moments libres pour si vous voulez aller voir le Forum romain. Mais vous allez voir tous les grands monuments. Donc, on va passer quand même à côté du Colisée, du Forum. Et ensuite, vous allez avoir une visite guidée de toutes les piazzas, dont la fameuse Piazza d'Espagna, la fontaine de Trevi, qui est magnifique. Et puis, on les voit pas toutes, mais il y a la Piazza Navona également. Et c'est ça, toutes les grandes piazzas avec un guide. Et vous allez voir aussi le fameux Panthéon. Cette visite vous plongera dans l'opulence du 17e siècle, explorer les édifices majestueux, les fontaines spectaculaires et les places élégantes, témoins du génie créatif de maîtres artistes tels que Bernini et Borromini. Imprégnez-vous de l'héritage culturel exceptionnel qui a transformé la vie ville éternelle. En après-midi, vous avez le choix entre du temps libre ou un cours de cuisine avec Sœur Angèle dans une école de cuisine réputée de Rome. En fait, ce qu'on est en train de voir avec notre partenaire, encore là, on va vous le confirmer bientôt, mais pour l'instant, l'option qui nous semblait la plus intéressante, c'est dans un bon restaurant de Rome où ils ont accueilli récemment des élèves d'une grande école de cuisine internationale. Et puis, apparemment, notre partenaire a dit qu'ils ont eu une expérience, vraiment une très belle expérience dans ce restaurant-là. Donc, ça tournait autour de 59 euros, incluant le cours de cuisine, tout le matériel, plus le repas, trois ou quatre services avec un tiramisu comme dessert, la boisson est inclue, etc. Qu'on est en train d'en discuter pour voir à vous trouver vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Pour l'instant, c'était la meilleure offre. Alors, on va vous revenir avec la liste là, des excursions, mais ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce restaurant-là, ce qui était bien par rapport à l'école de cuisine d'abord qu'on avait trouvé, les places étaient très limitées. On avait juste 20 places, alors que dans le restaurant réputé qui donne des cours de cuisine, il y avait de la place jusqu'à 40 personnes. On refuserait pas du monde parce que je pense pas mal tout le monde va vouloir participer à cette activité-là parce que un cours de cuisine avec Sœur Angèle en Italie, c'est assez unique, c'est assez exceptionnel. Voilà, donc le cours de cuisine avec Sœur Angèle en option. Donc, on vous reconfirme ça bientôt. Et puis ensuite, du temps libre à Rome, ben c'est en option. Si vous voulez aller faire le cours de cuisine, ça va quand même durer une bonne partie de l'après-midi. Ensuite, souper et nuit à l'hôtel et du temps libre, bien sûr, en soirée. Le lendemain, mercredi, le 12 juin, alors il y a possibilité de soit avoir une matinée libre ou bénéficier de l'opportunité d'une audience générale avec le pape François. Je vous le recommande chaleureusement. Ça vaut vraiment la peine. J'ai eu la chance d'assister déjà à quelques audiences. Tous les mercredis matins, il y a l'audience publique avec le pape sur la place Saint-Pierre de Rome. Ça prend des billets, mais c'est gratuit. Donc, nous, on s'occupe de réserver les places pour tous ceux qui le désirent. Ça peut être tout le monde, mais on veut que ça soit libre, bien sûr. Personne n'est obligé, mais ça vaut la peine. Et donc, voilà. Donc, on vous recommande. Il faut arriver tôt le matin pour avoir des places, des bonnes places assises, même si on a un billet
Donc, c'est pas garanti qu'on va avoir une classe assise, donc c'est mieux d'arriver tôt. Et puis voilà, donc le pape donne toujours un discours souvent lié avec l'évangile du jour. D'abord, il y a une lecture de l'évangile et puis ensuite c'est le discours du pape François. Voilà. Et puis, en après-midi, donc c'est libre, soit vous pouvez prendre du temps libre, aller faire vos propres visites ou une visite guidée du Vatican avec un guide francophone. Le gros avantage, un, vous avez le guide pour vous donner des explications. Il y a les petits écouteurs. C'est un guide pour 20 personnes maximum. Donc, on a vraiment accès au guide. On peut lui poser des questions et tout. Puis en plus, vous avez l'admission, bien sûr, est incluse. Hein, c'est pas gratuit pour les musées du Vatican. Et donc, vous avez l'entrée, mais en plus, vous avez un accès coupe-fil. Vous pouvez aller visiter vous-même les musées. Par vous-même, acheter un billet en ligne, mais vous allez avoir une longue file d'attente, ça peut être des heures d'attente. Alors, c'est quand même un gros avantage d'avoir là, l'accès coupe-fil. Alors, ce sera à vous de voir ce que vous préférez. On va vous confirmer encore là le tarif très, très bientôt. Donc voilà, visite des musées du Vatican, on voit ici la cour intérieure ou les musées, c'est vraiment grandiose. C'est sûr, en une demi-journée, vous verrez pas tout, mais avec un guide, c'est le fun parce qu'il va vraiment vous donner un aperçu général de toutes les grandes expositions et ça inclut aussi la visite de la chapelle Sixtine. Donc, de Michel-Ange, c'est vraiment grandiose. Voilà. Et donc, ce soir-là, vous allez avoir un souper d'adieu dans un restaurant réputé de Rome. Bien sûr, c'est inclus aussi. Et donc, un beau souper d'adieu pour conclure, pour bien clôturer ce magnifique voyage avec Sœur Angèle. Et le jour 12, donc, transfert en matinée vers l'aéroport. Le vol est prévu vers l'heure du dîner. Donc, bien sûr, il faut être là quelques heures avant, mais ça vous donne le temps le matin là, de prendre votre petit déjeuner, puis on part à l'aéroport avec l'autocar privé. Voilà, ça fait le tour pour l'itinéraire. Donc, quelques informations sur le voyage. Le prix réservé tôt est en vigueur jusqu'au 2 février. Vous avez un rabais de 100 $ si vous inscrivez avant cette date, donc pour un total de 6 199 $. Après le 2 février, donc le prix de 6 299 $. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, vous avez le vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat. L'hébergement en hôtel 4 étoiles, juste Roddy Garganico qui est 3 étoiles, c'est un 3 étoiles plus. Il est vraiment très bien comme hôtel. C'est des chambres en occupation double à ce tarif-là. Si vous voulez une chambre individuelle, le supplément est de 1 320 selon disponibilité. La quantité est limitée. Si vous êtes seul, on peut aussi vous offrir le service de jumelage. On peut vous jumeler avec une autre personne. On a souvent, souvent des demandes de jumelage, surtout pour les femmes, mais parfois il y a des hommes aussi qui le demandent. Alors, c'est assez facile de vous jumeler, là. Honnêtement, on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Bien sûr, si on ne peut pas vous jumeler, donc il y a des frais pour avoir votre chambre. Individuel, là, des frais à assumer là, si on n'arrive pas à vous jumeler. Mais comme je vous dis, on a beaucoup de demandes de jumelage. Vous pouvez toujours vous mettre sur une liste de jumelage si pour vous c'est vraiment nécessaire d'avoir un jumelage pour vous inscrire. Vous nous le dites, on vous met sur une petite liste, puis on vous avise quand il y a une autre demande de jumelage d'une autre personne du même sexe. Voilà. Bien sûr, c'est deux lits séparés là, dans les chambres quand il y a du jumelage. OK. Alors, qu'est-ce qui est inclus à part ça? Donc, je parlais des hébergements. Vous avez la liste des hébergements des hôtels sur la page web. Vous avez tous les petits déjeuners qui sont inclus à l'hôtel. Il y a un dîner d'inclus. Celui à la ferme, là, le dîner traditionnel dans la région de Basilicata, et puis 10 soupers, donc tous les soupers à l'hôtel, et le dernier soir, c'est le souper d'adieu dans un restaurant réputé de la ville de Rome, la veille du départ. Puis le dîner, ben, comme je viens de dire, c'est à base de produits locaux dans la masseria, dans les alentours de Matera.
Les boissons sont incluses, donc ça veut dire que vous avez du vin de faire là, au souper et puis ben, l'eau potable et le vin. Donc c'est inclus là, c'est vraiment inclus pour tous les repas là qui sont prévus. Vous avez les services d'autocar sur place, un autocar privé avec chauffeur privé selon l'itinéraire, service d'un guide accompagnateur local francophone, service de guides locaux pour les visites guidées qui sont incluses, la location d'écouteurs pour toute la durée du séjour. Le Lemon Tour à Sorrento, donc pour la dégustation des Limoncello, visite et dégustation, frais d'entrée en fait des différentes visites là qui sont incluses, dont Pompéi. En fait, je l'ai mentionné, c'est écrit dans l'itinéraire. La visite guidée aussi de la Rome baroque, donc une demi-journée de visite guidée à Rome. Vous avez à l'hôtel Tramonto le service de place avec un parasol et un fauteuil et une chaise longue par chambre, inclus dans le prix, ainsi que l'accès à la piscine et au centre bien-être, comme un spa. Et toutes les taxes, bien sûr, sont incluses également. Le forfait ne comprend pas les repas non mentionnés au programme, vu qu'il vous reste à peu près 9 dîners à vous prévoir là, un budget pour ça. L'assurance voyage. Donc, si vous n'en avez pas, nous, on offre des assurances avec la Croix-Bleue. On offre un tarif groupe qui vous donne un rabais, pardon, de 10% avec la Croix-Bleue. Et puis, si vous avez juste une assurance soins médicaux d'urgence, hein, qui est le minimum d'avoir au moins un soins médicaux d'urgence, si vous tombez malade ou vous avez un accident pendant le voyage, c'est vraiment le minimum. Mais on vous conseille fortement d'avoir aussi une assurance annulation et interruption de voyage si jamais vous tombez malade avant de partir, puis vous ne pouvez plus voyager ou qu'il y aurait de la mortalité dans votre famille. À ce moment-là, la compagnie d'assurance vous rembourse. Alors que nous, vu qu'on paye tous nos fournisseurs à moins de 60 jours du départ, c'est 100% non remboursable. Puis le dépôt également, aussitôt que vous donnez votre dépôt pour réserver votre place. Nous, on doit donner des dépôts aussi à nos différents fournisseurs. Donc, le dépôt n'est pas remboursable et la totalité du voyage à moins de 60 jours. C'est pour ça qu'on vous conseille fortement d'avoir une assurance annulation. Donc, on peut vous offrir des assurances à la carte si vous manque une ou l'autre des assurances, puis on pourra vous conseiller. On vous conseille aussi une assurance bagage en cas de vol ou perte de bagage. Les pourboires et dépenses personnelles, donc il faut prévoir un petit budget pour ça aussi. Et puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, bonne nouvelle, c'est gratuit maintenant depuis le 1er janvier. Donc c'est écrit ici sur donc gratuit à partir du 1er janvier. Donc c'est déjà gratuit, puis c'est vraiment exceptionnel. Ça vous donne une belle protection financière si jamais il y avait une catastrophe naturelle ou une épidémie ou une nouvelle pandémie ou du terrorisme ou quoi que ce soit qui ferait qu'il y aurait un avis d'éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada comme on a eu dans la pandémie ou dans le pays visité. À ce moment-là, le fonds d'indemnisation vous couvre à 100%. Pour tout ce qui ne serait pas remboursable, eux vont vous rembourser. Donc, tout service non rendu, s'il y avait aussi une faillite de la compagnie aérienne ou autre, ils vous remboursent pour tout service non rendu. Bien sûr, ça ne remplace pas une assurance annulation. Si vous tombez malade, ce n'est pas le fonds d'indemnisation qui va vous rembourser. Là, ça prend une assurance annulation en cas d'empêchement de voyager pour une raison personnelle. Voilà. Donc, ça fait le tour pour les inclusions. La date limite d'inscription est le 2 avril ou jusqu'à ce que le nombre maximum de passagers soit atteint. Donc, ne tardez pas. Possibilité de s'inscrire, oui, après cette date, si jamais il reste de la place, mais il pourrait y avoir un supplément. Donc, ne tardez pas, puis on vous encourage à le faire même avant le 2 février.
réserver votre place avec un dépôt pour bénéficier du rabais réservé tôt. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez le faire sur notre site Internet. Donc, en haut de la page web du voyage, à droite, vous sélectionnez le type de chambre désirée. Si vous voulez un jumelage, vous choisissez en double. Et puis, plus tard dans le formulaire, vous allez préciser que vous voulez un jumelage ou vous allez préciser avec qui vous voulez partager votre chambre. Vous pouvez aussi télécharger le formulaire PDF qui est sur notre site web ou nous le demander. On peut vous l'envoyer par la poste. Puis, nous l'envoyer avec votre dépôt de 750. Ça peut être payable par chèque, si vous préférez, ou carte de crédit, ou même virement Interac. Faut s'inscrire le plus tôt possible. Les places sont limitées, je vous l'ai déjà dit. C'est important de nous envoyer une photocopie de votre passeport. On en a vraiment besoin. On a besoin de cette information-là, d'abord pour s'assurer d'avoir le bon nom sur le billet d'avion. Ça doit exactement être pareil là, que votre passeport. Donc, avant l'émission des billets, nous, on vérifie tous les passeports. Et aussi, les hôtels demandent ça. Donc, au lieu d'avoir un voyage de groupe, s'ils nous demandent les passeports un par un en groupe, en rentrant à l'hôtel, ça va être long. Alors, nous, on leur donne toutes les informations dont ils ont besoin d'avance et ne vous inquiétez pas. On respecte là, la protection des données personnelles. Après le voyage, on détruit toute copie de vos passeports. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour télécharger le passeport, vous allez recevoir après votre inscription un lien sécurisé où vous allez pouvoir télécharger soit sur votre compte, sur notre site web ou par un lien. Qu'on vous envoie votre passeport de façon sécuritaire. Ne nous envoyez pas ça par courriel, ce n'est pas sécuritaire. Vous pouvez toujours l'envoyer par la poste si vous préférez, mais pas par courriel. Voilà, je pense que ça fait le tour. Documentation requise, donc bien sûr, vous devez avoir un passeport valide 3 mois après la date de retour prévue au pays. Et vous avez les coordonnées d'Audrey, qui est la coordonnatrice donc du voyage, si vous avez d'autres questions. Mais là, on va passer à la période des questions. Vous allez pouvoir poser tout de suite vos questions directement. Je vois qu'il y en a déjà beaucoup dans Q et R. Alors, je vais prendre le temps de lire les questions et d'y répondre en direct. Après ça, ceux qui le désirent, vous pouvez lever votre main. Virtuellement, dans le bas, dans votre menu ou sur les tablettes, des fois c'est en haut, là, vous pouvez cliquer ou s'il y a des émotions, là, vous avez la main, donc vous pouvez lever la main virtuellement, puis on va pouvoir ouvrir votre micro afin que vous puissiez poser vos questions ou donner vos commentaires en direct. Alors, je vais avec les questions dans le QR. Donc, les coûts approximatifs, écoutez, on doit encore, Madame Diane, juste se mettre d'accord. On va l'envoyer à tous ceux qui ont participé aujourd'hui, aussitôt qu'on se met d'accord, parce que là, on avait les coûts, mais on trouvait que c'était un peu dispendieux des fois avec les guides. Fait que là, on se questionne, est-ce qu'on veut vraiment toujours que les visites soient guidées? En français, moi je trouve que c'est un plus, mais on veut en même temps que ça soit le plus accessible possible. Fait qu'on est encore en train de magasiner ça pour vous avoir les meilleurs tarifs, mais ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Donc voilà. Ensuite, y a-t-il visite à la Grotte Bleue? Alors, c'est possible à Capri d'aller voir la Grotte Bleue. On l'avait pas prévu, mais comme je vous dis, on est encore en discussion. On va regarder ça, mais vous allez voir aussi les grottes marines qui sont quand même similaire là à Roddy Garganico. Puis même si dans l'activité optionnelle, on ne l'offrait pas, vous pouvez par vous-même décider de prendre le traversier et d'aller visiter la Grotte Bleue. Alors, ça sera à voir. C'est que ce n'est pas toujours accessible, je pense. C'est Faut que ça. je revérifie, là. Mais on veut s'assurer aussi que ça soit accessible au plus de monde possible. La Grotte Bleue, dépendamment des marées, je pense qu'il peut avoir des petites difficultés. Alors, ça sera à confirmer, là. On va tout vérifier ça, puis on vous revient avec ça. Combien de jours passe-t-on dans les Pouilles exactement? Alors, dans les Pouilles, si je ne me trompe pas, on est là 2 nuits.
Deux nuits, oui, parce qu'avant ça, on était à Basilicata. Et donc, Rodi Garganico, c'est là, on est dans les Pouilles. Et donc, on a 2 nuits et 2 jours dans les Pouilles. Voilà. OK, après ça, je suis végétarienne. Merci de poser la question. Je mange du poisson, mais pas de viande. Peut-on m'accommoder tout à fait? Donc, au niveau des options végétariennes, il n'y a vraiment pas de problème et c'est très important de nous aviser à l'avance. Dans votre formulaire d'inscription, la question est posée. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, c'est très important de nous le dire. Donc, si vous êtes végétarien, vous nous le dites. Si vous avez des restrictions alimentaires au gluten, donc ça, on ne peut pas toujours garantir qu'il va y avoir des options par rapport à ça, là. La question nous est de plus en plus posée. Puis de plus en plus dans les pays occidentaux, ils ont des alternatives. Donc, ça ne devrait pas être un problème, mais pareil, au niveau du gluten, des fois on dit ben, apportez peut-être quelques petites affaires là, sans gluten dans votre bagage, juste pour être sûr, là. Puis au niveau végétarien, il n'y a vraiment pas de problème. Ils ont toujours des alternatives. En Italie, là, ça ne sera vraiment pas un problème. Diane nous dit merci pour cette belle présentation. Merci, Diane. Je mets cette présentation et mon rêve en veilleuse. Bien belle vidéo. Bravo. Merci beaucoup. Toujours apprécié. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci, Noéline. Et combien de personnes font partie du voyage? Écoutez, on a déjà une dizaine d'inscriptions. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'inscriptions pour le webinaire. C'est pas tout le monde qui pouvait suivre en direct. Il y en a qui attendaient de voir le webinaire avant de s'inscrire. Alors, je pense que rapidement, on va atteindre là, au moins le nombre minimum. Puis, dépêchez-vous de vous inscrire parce que les places partent quand même assez vite, là. Alors, voilà. Je pense que ça va répondre à vos questions. Puis, vous pouvez voir aussi l'inventaire, là. Je pense qu'il n'est pas tout à fait à jour puisqu'on a des inscriptions en dehors du site Internet. Mais sur le site Internet, ça peut vous donner des petits indices. Ça vous dit combien de places qui restent. Voilà. Louise demande donc dans les Pouilles, on voit Rodi Garganico. Oui, ça fait partie des Pouilles. C'est un village qui s'appelle comme ça. Quelle autre ville voit-on dans les Pouilles? Vous allez voir Vieste si vous faites la visite optionnelle. Et puis, je me demande si les Trouillis, je ne sais pas si je le prononce bien, là, les petites maisons en chaume là, avec un toit conique qu'on a vu dans la vidéo, je me demande si ce n'est pas dans la région des Pouilles ou Basilicata, je ne suis pas sûre, là, un des deux. Alors, voilà. Puis, bien sûr, comment ça s'appelle? San Giovanni Rotondo, si je ne me trompe pas, fait partie des Pouilles aussi. Là, c'est tout près de Rodi Garganico. Si je dis des bêtises, sœur Angèle, vous allez me corriger, là. Je compte sur Je vais te corriger ça, là. Non, mais c'est des vous. Trulis, c'est unique, ça. C'est bien. Oui, est-ce que c'est dans les Pouilles, les Trulis? Ben, c'est pas loin. Ou c'est... C'est dans le sud, vraiment, Ah. là. C'est dans le talon de l'Italie. Ah oui, c'est ça. OK. C'est dans le talon, oui. Merveilleux. OK. Merveilleux. Alors, on va regarder si on a des mains levées. Oui, on a des mains levées, merveilleux. Alors, Brigitte, on va vous permettre d'ouvrir votre micro. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant pour poser vos questions ou donner vos commentaires. Ensuite, ça sera Diane Laroche. Il faut que vous ouvriez votre micro, là. Moi, je vous ai donné la permission. Brigitte, on vous voit juste ouvrir votre micro. On voit votre nom. Ça fonctionne pas. Regardez dans le bas de votre écran, vous devriez. Oui, c'est beau, il est ouvert votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend très bien. mais bonjour, mais j'ai pas levé ma main. En tout cas, si je l'ai fait, c'est par inadvertance. Bon, c'est beau.